Bonjour. Je m'appelle Nolan Valla, j'ai 15 ans et j'ai participé cet après-midi à la Coupe des Nations avec Daini Région. Je m'appelle Gaëtan Noran et j'ai fait la coupe avec Champagne d'Arc. Je m'appelle Emmagué Le Breton, j'ai 15 ans et j'ai participé à la Coupe des Nations aujourd'hui avec Bad Boy du Bobo. Je m'appelle Giacomo Nungato, j'ai participé dans la Coupe des Nations avec Samba Van de Grenoble. Alors j'étais un peu déçu de mon premier parcours et par contre j'étais content du deuxième. Donc moi je partais en numéro 4 de l'équipe, donc j'ai pu voir tous mes coéquipiers passer. En entrant en piste, je me sentais bien, j'étais pas trop stressé. En plus, il y avait Olivier Bost qui me donnait tous les conseils pour faire sans faute. Mais du coup, j'ai pas fait sans faute. Du coup, j'ai fait une barre au milieu de triple et une barre sur le dernier parce que j'ai trop tiré. Et du coup, j'ai rajouté des foulées et j'ai fait deux barres. Je suis un peu déçu de mon premier parcours. Demain, je fais le Grand Prix avec mon autre poney. Du coup, j'espère faire un peu mieux qu'aujourd'hui quand même. Alors à la détente, il était un peu chaud, il se reculait pas trop et du coup en piste, j'ai fait deux barres. Aujourd'hui, je suis partie en numéro 1 dans l'équipe et dossard numéro 4. Je le sentais plutôt bien, le poney était très bien dès la détente, il a super bien sauté. Olivier m'a donné de super conseils avant la piste et il m'a réalisé de super tours, un petit 4 points sur le dernier bête. Sur le premier tour et le deuxième tour en super sans faute. Alors moi Samba, la détente elle était bien et puis après sur le premier tour je suis passé en troisième pour l'équipe et elle a sauté vraiment pas mal, elle était bien comme d'habitude quoi et elle a réalisé un beau sans faute et après sur le deuxième tour elle était un peu plus fatiguée et du coup elle a fait deux barres mais le tour ça allait, était quand même pas mal mais ouais du coup un peu déçu. On est déçu mais on fera mieux une prochaine fois. On va travailler plus dur pour revenir encore plus fort. Merci Poneas. À bientôt. Vive la France!